Salut à tous les amis, ici Fantarmé jusqu'au dents, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Worms Battlegrounds en compagnie de notre ami Bob. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah ah, mais je ne suis pas tout seul. Nous ne sommes pas tout seuls aujourd'hui, que nous sommes en compagnie de Benzaï. Bonsoir Benzaï. Oh bonjour et bienvenue sur Fantabob Games. Voilà, Benzaï qui est plus connu. Ça me fait plaisir quand tu dis ça, c'est la magnificence la plus totale. Et nous sommes aussi en compagnie du beau, du grand, du magnifique, du musculeux et du très très poilu Hyrule. Bonsoir Hyrule. Bonsoir, et t'as tout à fait raison, c'est tout à fait moi, la description parfaite. Parfaite. Alors nous sommes sur Worms Battlegrounds qui vient de sortir sur Xbox One et PS4. Nous sommes sur Xbox One et nous allons nous affronter en match à mort, sans aucune forme de pitié, chacun pour sa peau. Juste avant que Bob nous invite, je vais vous montrer quand même une particularité de Battlegrounds. Ils se sont cassés le cul pour le faire, autant le montrer. Vous avez vu mon beau logo, c'est le logo de la Fantabob Force que j'ai personnalisé avec nos couleurs. Le clan Fantabob Force, parce que beaucoup de gens vont être ah ouais, c'est un jeu, il est sorti, quelle différence par rapport aux révolutions que vous avez déjà fait sur la chaîne. Et ben déjà d'une, il est neuf, il est sur Xbox One, il est c'est l'actu quoi. C'est ça, il est sorti aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2014, à je ne sais pas quelle heure, ça dépend les régions sur lesquelles vous êtes, mais basiquement voilà, il est sorti, il est gratuit et vous pouvez faire des clans, c'est l'avantage de ce jeu apparemment hein. On a essayé de s'y pencher un peu. Il n'est pas gratuit mais c'est pas grave. Non mais c'est ça, mais on a essayé de s'y pencher avec Fanta en fait 5 secondes et en fait des clans, ça vous permet de faire des matchs en ligne, du matchmaking classé. En ladder, voilà, tout à fait. C'est ça, en ladder, mais d'être à plusieurs dans des clans comme une guilde en fait. Imaginez-vous sur un MMO, vous êtes 10 dans la guilde, chacun peut faire des matchs et le fait de gagner ou de perdre fait gagner des points ou perdre des points à ta guilde en fait, entre guillemets, ce qui fait que c'est finalement un kick-emetteur, mais de groupe. C'est la différence en fait avec le matchmaking qui te permet d'avoir, d'avoir un rang comme sur League of Legends ou Call of Duty ou n'importe quel autre jeu. Le truc c'est que ça n'est pas solo, c'est pas toi qui te définis tes points et ton rang, c'est ceux de ta guilde. Tu peux faire les deux, donc voilà, c'est la petite liberté. Et surtout l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un petit logo, le petit logo Fantabob Force, qui voilà. Va plutôt bien avec, voilà. Avec nos couleurs, donc bleu pour moi, rouge pour Bob et le doré de l'amour. Voilà. Exactement. Attends, juste avant qu'on parte en partie, montre les personnalisations de Worms. Quoi? Ça, vous vous rappelez, j'ai changé le titre, Fanta for the win, parce que c'est moi qui vais gagner, bien sûr, nommer les verts, les tenues, je vous montre la mienne d'abord, mais vous verrez les autres. Montre les tenues en fait, parce que c'est juste pour voir l'évolution qu'il y a eu par rapport à Worms Révolution, hein, que nous on y jouait sur Steam sur la partie ici. Basiquement, les tenues sont un tout petit peu plus fournies, mais on en reste à un niveau où on s'attend à des DLC. Ouais. Et par rapport à Evolution, je trouve que les graphismes sont un peu moins dégueulasses, il y a moins d'aliasing contrairement à Révolution qui était très sympathique aussi, mais. C'est vrai. Fini à la pisse, comme on dit. Non, mais voilà, c'est ça. On sentait l'aliasing. Remarque, tu me diras, l'avantage c'est qu'il peut tourner sur n'importe quelle poubelle. Hein. C'était l'avantage finalement hein, pour un jeu en 3D, mais bon, ouais. Écoute, c'est censé être un gimmick, c'est censé être Worms. Enfin, on va arrêter de vous faire chier 5 minutes avec toutes ces conneries et on va passer à l'attaque directement sans aucune forme de pitié. Xbox Live, matchmaking d'amis, parce que oui, Hyrule et Benzaï, vous êtes mes amis. Ils ont rien dit depuis le début, ils sont là. Ah bah non, bah écoute. On peut se parler. Hein. À part que peut-être le doré, c'était finalement la couleur des lingots d'or de l'argent YouTube. Ouais, c'est ça, mais attends, t'as pas vu mon siège en or? C'est ça. J'ai un trône maintenant, moi. Ça. Le F c'est Fanta, c'est en bleu, le B c'est en rouge, c'est Bob, et le dernier F c'est quoi? Le dernier F c'est fric. Fric, voilà. C'est l'argent de YouTube, voilà, volé aux abonnés. D'ailleurs, c'est le népotisme le plus total. C'est ça, corporatisme. Alors... Vous croyez que Benzaï et Hyrule sont ici pour rien? Mais non, c'est parce que eux aussi se baignent comme Picsou dans des piscines d'or. Ouais. Dans volé aux abonnés. Voilà, vous connaissez le secret. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est potes, hein, parce qu'on ne fréquente que des gens riches comme nous. Ouais. Exactement, quand Benzaï dit qu'il n'a pas pris de douche, en fait, il s'est pas pris de douche avec de l'eau, hein. Il se baigne dans sa piscine de lingots d'or tous les jours. Hein. Toujours. Voilà. Comme ça que... Je me suis brisé la nuque en plongeant dedans, d'ailleurs. C'est du gros n'importe quoi. Putain, on joue, putain, allez. Allez, après toutes ces conneries, allez, créer un matchmaking d'amis et on se retrouve tout de suite dès qu'on a réussi à faire fonctionner la Xbox One. Allez, c'est parti. Chers amis, voilà, ça y est, le matchmaking est prêt, il est là, il est beau, et comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné en haut à gauche le nazi Lennon. Oh, j'en ai rien à foutre. Mais Bob, c'est pas un nazi, il a la casquette d'un officier de police anglais. Rien à foutre, bon, moi c'est un nazi, ça compte, voilà. C'est parce qu'il est méchant.
ça. Ensuite, nous avons dans l'équipe Laurent à droite Hyrule avec un masque ethnique, je dirais, qui est très très joli, avec un nez rouge qui est là, qui est complètement là. Si, oui, peut-être. Oui, c'est pas très c'est très joli, style. Je le mettrai pas le dimanche, tu vois. En sortant chez moi. J'avoue, c'est stylé, hein, ça fait un peu payday. Hein, c'est un concours de mauvais goût sur le coup. Nous avons Fanta, The Fantasio, qui se croit pour un X-Men raté. Hein, tu sais, ceux qu'on n'utilise jamais, qui ont des pouvoirs inutiles, mais qui vont quand même aller à l'école des. Ouais, mais tu crois que je suis raté, mais c'est parce que tu connais pas mes super pouvoirs. Ouais, ouais, c'est super pouvoir d'avoir une grosse bite, tu sais, moi je l'ai aussi. C'est pas. Et nous avons Benzaï avec son équipe des Alpha Men, avec dans son équipe des femmes et Hulk Hogan. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Exactement. Exactement, c'est la gratuité. Hein. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, sans que ça bug, avec un magnifique putois sur l'écran de chargement. Ah, moi c'est un bison. J'avais un moi c'est une mamie. Moi c'est une mamie que j'avais. Alors nous y voilà. Génération de map. Choisissez un thème pour le décor. Nous avons droit à 5 thèmes. Déjà un de plus que par rapport à Révolution. Ça fait plaisir. Préhistoire, Viking, Inca, Japon féodal et Révolution industrielle. Alors pour faire plaisir à Ben. Hop. Ah oui, il y a un dinosaure dans le fond, ouais. Voilà, la préhistoire. En plus, elle a l'air classe, cette map. Ouais, maps, elle est pas mal, cette map. Ouais. Allez, on l'accepte. On la valide. Allez, elle est validée. Où est-ce que j'appuie? Continue. Écoutez, 3, 2, 1, et pan. Ça fonctionne. Et là, j'ai un bison, ce coup-ci. Ça veut rien dire. Un petit mouton. Un mouton, pareil. Moi, j'ai un petit mouton. D'ailleurs, il est assez bien modélisé. La continuité dans ce jeu, ça veut rien dire. Donc, bah, si bon, l'histoire, il faut savoir que ce jeu se passe dans un musée. Se passe dans un musée d'histoire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de conneries, tu vois, la présentation comme ça ou autre. Apparemment, les Worms se battent parce qu'il y a un savant fou qui a récupéré un objet antique qui a créé la guerre des Worms, qui a donné la sentience, c'est-à-dire l'intelligence aux Worms, et qui le possède et qui menace de dominer le monde avec des Worms contrôlés mentalement. Ça ne veut rien dire. Bref, la team vert, allez, vas-y, roule. Il y a un solo d'ailleurs sur ce jeu. Oh, regardez les mignons dinosaures derrière. Il est où? Ah oui. Exactement. Qui je vais attaquer parce que là, le problème c'est que j'ai des mecs à moi juste à côté, alors je vais pas faire le foufou. Il va pas faire le fifou. Alors regarde dès le début, Fanta, j'espère que tu zoomes sur l'action. Ouais, ouais, tout à fait. Nudiste Lennon qui est gros, qui a un très gros nudisme. Ah, un coup de fusil à pompe. Ah, tu vas pomper, mon gars. Tiens. Je me sens comme un Shadok. Ah, juste une seconde. Oui, alors Nazi Lennon, hein, c'est quand même beaucoup plus, je dirais, le Village People Lennon. Mais. ouais, ça, mais la moustache est là. Charlie Chaplin. Oh merde, oh, putain, il a raison. Bon bah c'est Village Chaplin. Lennon. C'est Charlie. Bon, il y a personne de ma tribu. Je vais essayer de vous en foutre plein. Alors pas trop. Il va falloir que tu la doses celle-là. Vas-y, Benzaï. Il y a du vent, merde, attention. Putain, les frags sont pas encore débloqués là. Oui, oui, il faut savoir que c'est progressif. Oh, bon, joli. Hop, ce sera pour Lennon. J'aurais voulu viser le peloton, mais. Oh, il était solide. Ouais, mais les gros sacs de merde, ils prennent cher. Hein, exactement. Problème. C'est la même mécanique, chers amis, que pour Worms Revolution, c'est-à-dire les 4 Worms qu'on avait déjà expliqué. Si vous voulez savoir à quoi ils servent, regardez nos vidéos précédentes. Vous saurez à quoi servent les 4 différents types de Worms. Voilà, on gagne un temps fou comme ça. C'est à qui? C'est moi ou ça bouge? Oui, c'est à Bob Lennon. Non, c'est moi. Ok. Oh là là, je suis planqué, moi. Je suis planqué dans les ténèbres. Comment je vais m'en sortir? Eh ben, je vais m'en sortir grâce à un magnifique. Cheat, jetpack, il a fait au bas gauche droite, BA start. Je me mets là et H, je vous envoie tous dans les ténèbres avec le pistolet en haut. Ah. Oh purée, l'enfoiré, violence. Pardon. Et là, il y a un respect. Oh, putain, aucun alpha man dans cette équipe, quoi, dans les morts. Quoi. Nous avons donc un Worms jaune de l'équipe de Fanta qui est mort et deux Worms bleus de l'équipe de Hyrule qui est mort. C'est parce que Hyrule n'a pas assez d'abonnés, chers amis. Il faut aller vous abonner. Ah merde, c'est Fantirard. Oui, c'est quoi le nom de ta chaîne d'ailleurs, Hyrule? Hyrule TV. Avec d'accord. Un plagiat des vidéos de Benzaï. Non, j'ai pas le talent de Benzaï. Oh, mais ça parle bien. Il a du talent, Benzaï. Attends, Hyrule avec un 3, tu dis Benzaï? Hyrule avec un 3 à la place du E. Ah oui. D'accord, Hyrule avec un 3 avec, à la place du E. Hyrule TV, donc avec un 3 à la place du E, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que t'allais me mettre un coup de batte là. Attention, il te reste 13 secondes, fais juste attention. Ouais.
pardon. 200 points de vie, le muscleur, et hop, ça lui pisse dessus, et ça respecte. Alors j'ai sorti ma baguette magique de Sailor Moon, je sais pas pourquoi. La baguette magique des petites, comment on appelle ça, les Magical Girls. Ah oui, t'as sorti une baguette magique. Oui, en fait, alors, c'est les objets, en fait, c'est un groupe. Tu peux configurer un accessoire, mais alors je sais pas dans quel, pourquoi il les sort ou pas, quoi. En fait, c'est juste un accessoire qu'ils font quand ils sont idoles, quand ils font rien, tu sais, quand ils bougent pas. C'est juste de la décoration, c'est joli. Okay, attention, tu as peu de jackpack. Ah, attention, oui, Hyrule, tu es gros. Non. J'ai pas vu, mais oui, il consomme trop de jetpack aussi. C'est pas possible. Mais les gros font beaucoup plus de dégâts et lorsqu'ils meurent, ils font une explosion beaucoup plus considérable. Attention, ça c'est un petit. Ça, regardez un petit... mon Magnos dans le fond, quoi. Il est déjà la tête dans l'eau, quoi. Il est prêt à mourir. En plus, il a l'air particulièrement joyeux. Alors là, je sais pas bien. Battez la gueule. Voilà, ouais, ça devrait passer, mais place-toi bien. Un peu plus. Ouais. Allez, je croise les doigts. Qu'est-ce que c'est? Oh yeah! Le mauvais! Il m'a tapé le képi! Il m'a tapé le képi! Cette terreur qui te sera fatale! Cette terreur qui te sera fatale! Ah, c'est l'heure de Nicky Shinon! La suspension avant le coup qui ne part pas, quoi! Ah, c'est clair! Avec mon Nazi les zones, je pourrais utiliser le lance-flamme, mais ça donnerait lieu à beaucoup trop de blagues de mauvais goût, donc je vais m'abstenir. Ce faisant, voilà, je vais faire ça. Hein. Ce faisant, comme j'ai déjà pris un peu d'avance sur les kills, je vais utiliser la strat qui s'appelle. Puis en fait, non, je vais faire ça, mais hop, voilà, t'as eu ça un peu. Ninja. Ou tiens, même. Non, pourquoi moi? Ninja. Il me reste plus que deux verres déjà, si tu me le tues, j'en ai plus après moi. Non, je te le tue pas, regarde, ça fait de la place. Pardon, excusez-moi, est-ce que tu te vois à travail? Ah, ici, grosse travauche ici, ya. Voilà, et ça creuse. Ouais, il creuse pas mal, hein. Hop. Et il faut savoir que le petit verre a fait un passage qui est petit, considéré petit, c'est-à-dire les grenades ne passent pas, et les gros et les normaux ne passent pas, il faut être un petit pour pouvoir passer. Oh, mais purée, quelle encyclopédie, les nanas. Mais non, mais les mecs, est-ce que vous avez lu le tutoriel seulement? Non. Ah, moi j'ai fait le tutoriel, mais juste pour les... Oui, je l'ai fait. De base, mais... Oh god. Bon, moi j'ai lu le manuel. Le gars, c'est un pro, il s'entraîne pour nous battre. Alors là, le bidon. Tu peux... Je suis sûr que tu peux lâcher une dynamite juste dans le trou. Si ouais, c'est assez fin ça, une dynamite. Ouais, une dynamite, ça passerait, normalement, je pense. Ça passe. Attention. Ah, c'est con, elle est pas débloquée. Ah merde. Et mine, tu crois que c'est débloqué? Oui, c'est débloqué, tu l'as là. Ah merde. Tu l'as posé. Oh non. Merde. C'est mon père qui va prendre. Oh non, c'est Hyrule qui a tout prendre. Ah génial. Ah, j'ai eu mal, hein. J'ai remarqué qu'on est bien planqué là. Ah ouais, bah oui. C'était prévu. 91 points de vie, ça a fait très très mal, hein. Le baril plus ce truc. Oh, par contre, là il peut se venger. Là je sais pas, mais si t'as... Alors attention, fais gaffe au feu, hein. Fais gaffe aux flammes. Vas-y, Hyrule. J'ai pas grand chose comme arme, hein. Ah, ça va se débloquer au fur et à mesure, Bob a bien prévu ça. Le coussin péteur. Bon, je devrais arrêter. Je devrais arrêter, chers amis, parce que beaucoup de gens sont là. Bob, arrête de leur donner des conseils, mais je fais ça pour le spectacle, mais je devrais pas. Vous avez raison, je devrais pas. On peut essayer le coussin péteur. Attends. Tranquillement, il y a un peu de vent. On va faire un petit coup comme ça. Le vent n'affecte pas les grenades. C'est juste cramé. Ah si, vous êtes empoisonné, si, je vous ai vu. Bien joué, ton verre nazi est empoisonné. Alpha Man. Il est là, il est beau, il est sublime. Le plus fort de tous les hommes. Exactement. Ah putain, et là il faudrait qu'il aille faire quand même des abdos, hein. Oh là là. Attention, il y a une mine. Ah merde, oh merde. Ah, je l'avais pas vu. Elle était cachée sous l'eau. Ah, j'ai essayé de te prévenir. Ah mon dieu. Pas de chance, ça arrive. Ce qui est bien, c'est qu'au score, je suis encore premier, mais je sais pas pourquoi. Enfin, remarque, ça a pas duré longtemps vu que tu viens de me défoncer là. Voilà, là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire et à comment je vais le jouer là. Parce que je pourrais faire ça très intelligemment. Oh l'enfoiré. Je vais me gaver sur les bonus là. Là, je vais me gaver sur les bonus. Là, j'ai l'impression d'être un patron de Vivendi Universal là. Mmh. Oh yes. Oh non. Coupé dans sa course. Bon, tu me diras, j'ai gagné 7 points de vie.
Non mais tu vas prendre une grand-mère dans le pif et tomber dans l'eau. C'est ce qui te prend en l'air. Fant assassin. Putain. Il tu est te rends compte que t'es pas tombé tout à l'heure hein, à cause de la flotte. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est pas encore débloqué. Regarde ça, Ben. Il a la bite sur le... Vraiment. Alors. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est marrant, ça change par rapport à la dernière fois. Ah oui, c'est pas le même. C'est une dent. Ouais. Et j'ai une dent contre vous, les mecs. Pourquoi il veut pas? C'est pas un dé à coudre. Ah, c'est pas un dé à coudre. Tu peux pas le poser dedans. Bon, bah là, ça m'évitera de me casser la gueule. Non. Oh mon dieu. Fanta fail, fail tes yeux pour vous servir. Ah, dans cette position, on dirait qu'il a une érection, ton verre, c'est dégueulasse. Alors, attention. Qu'est-ce que je peux faire, mon intelligent, là? Ah, je sais ce que je vais faire. Faut que j'arrive déjà. Ah, bah ouais, mais je suis encore un gros, là, il veut pas bouger aussi. Regarde-moi ça, comme il est lent. Deux fois bleu te permet de faire un saut vertical que tu peux diriger. Qui est un peu plus haut que le saut. Je suis bloqué. Il veut pas. Ça marche pas si t'essaies de niquer le mur. Ouais, double clic sur le bouton de saut. Ah, oh, putain. Oh, il a réussi à se hisser, quoi. Il a non, fait glitch. Je vais faire une attaque naphtaline, tu vas voir. Oh putain. Ah. Oh, naphtaline, effectivement, elle est bon. Il a des bons jeux de mots, Hyrule. Ah ouais, pas mal. T'es prêt, mamie? Allez, allez, vas-y. Mamie, elle attaque. Tiens, sale nazi. Elle explose pas. Elle prout. Pour appuyer, pour appuyer. Elle prout. Elle prout. Oh, oh, putain, l'explosion de ouf. Eh hey, mamie, elle pète hein. Oh, Fanta. Oh, et la flamme. Oh. La flamme qui fait tomber Fanta. Oh non, non. Non, non. Ouf. Oh, ce combo. Ah, mamie, oh, elle a fait un petit combo là. Eh, hey, c'est qui? Ah, Hyrule a pris cher, hein. T'as pris cher. 22 points de vie pour son personnage, il a pris très 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 cher, hein. Mon dieu. C'est beau, hein, c'est beau. Alors, c'est à Magnos, moi je te conseillerais de sortir de là. Si tu arrives. Magnos. Ah, Magnos, il est tout petit. Non, non, c'est Magnos, c'est un ingénieur. Qui est un personnage qui existe, hein. Il a un cerveau, lui, c'est celui qui donne plus 5 points de vie à tous non les... Oh yes. Ah, elle est belle. Oh non, il est encore en vie. Cette chance. Putain, mais elle s'est déclenchée vachement tôt, la mine. Ouais. Putain. La mine a une capacité de déclenchement aléatoire, hein. c'est pour ça. Voyons voir. Ça, c'est le zapper, ça, c'est un truc, ça, c'est le singe. Ça, c'est un message que quelqu'un m'envoie au pif pour m'inviter à jouer à Call of Duty Ghost. Puisse-t-il mourir? Ça, c'est... Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un bombardement aérien. Sauf qu'en vérité, c'est pas un bombardement aérien. Ça s'appelle la frappe aquatique. Ouh. Non, mais ça, on connaissait. Il est à qui, le bleu? Il est à qui, le bleu? Il est à moi. Ouais, il m'en reste que deux, moi. Alors que là... J'ai un petit malheureux. La frappe aquatique. Tu vois, Benza, il en a beaucoup quand même. Hein. Ouais, je trouve aussi. C'est vrai, il a raison. Hein. Donc, on va utiliser le bon vieux airstrike. Le bon vieux airstrike de la vie. Hop, on vise bien. Attention, 3, 2, 1. Allez. Il y a le vent. Allez. Il n'y a pas de vent. Mais ça ne tourne pas le vent. Ça ne tourne pas le vent. Bien placé. Très bien placé. Merci. Alors, ouais, à abattre, là, c'est les elfes amènes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de vie. Hein. J'ai rien, quoi. T'as récupéré assez de caisses, peut-être, ou pas, j'en sais rien, t'es pas trop fait toucher. Là, j'annonce, tu balances tout, là, tu défonces. Alors, j'aimais bien le jetpack, il faut que je me réhabitue un peu. Il y a une nouvelle méthode de déplacement aussi qui est super sympa, qui s'appelle le zapper. Ouais, attends. Bon, tant pis, hein. Moi, j'ai envie de descendre. Vas-y. Mange-toi un truc. Ouais. Alors... Tu vas foutre d'ici. Ouais, c'est pas grave si je peux pas tout faire. Non ! C'est naze. Il me rejoint. Nous voyons-nous ensemble, Fanta. Ouais, mais au cas où tu puisses jouer et tout, je voulais pas. Bon, qu'importe. Non, mais c'est pas. Ah là là. Oh, c'est à moi. Je voulais me rapprocher de Magnus, en fait, il était trop tentant. Je zoome. Non, y a pas de mine.
Ah, qu'est-ce que je vais vous faire à vous deux là? Faut que je fasse quelque chose de vilain. Ah, attention, par contre, comme tu as un verre à cerveau, tu feras un peu moins de dégâts. Là, c'est bon, ah. T'as les dynamites et tout. Mais dynamite, ouais, c'est clair que comme Benzaï le dit là, tu. Attends, je vais juste. Hop! Préparer ouais. Mon coup. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça va être drôle. Attention, attention! On se casse maintenant! T'as encore 3 secondes, fous le camp! Voilà. Ah, mais non, mais venez pas vers moi! Non, c'est bon. Ils ont fait que 5 de dégâts? Non. 5, c'est la chute. Et non, c'est parce qu'ils sont empoisonnés. Mais on n'a pas eu le temps de voir les trucs en fait. Vas-y, Musclor! Ah, dans le. Non, je vais pas commencer. Mais on aime quand tu chantes dans tes NP, Benny. Ça, j'aime pas ça. Alors, à savoir que je regarde les NP de Benzaï, enfin les let's play de Benzaï, et je vous invite notamment à suivre son Dead Rising, qui est d'une excellente qualité. Ouais, Dead Rising 2 est sur sa chaîne, et le 3 hein, sur la nôtre, si vous l'avez pas vu. Il faut. Ah, mais le 3 ça arrive sur la mienne aussi, t'inquiète. Non, mais c'est mieux avec Fanta et Bob. Alors, je vais me plonger. Du coup, de. Alors, le pistolet à eau, c'est cette. Là, j'ai pistolet empoisonné, il est où le pistolet à eau? Le pistolet à eau, c'est en dessous du lance-flamme, c'est 4ème ligne. Ah putain, mais ça ressemble à rien. Non, ça donne Uzi. Ça, c'est un Uzi que t'as là. Mais. En dessous. Deux cases en dessous de l'Uzi. Ah, en dessous. Ah oui, d'accord. Voilà. Nous, on fera le 2 et puis voilà, c'est voilà. Tout. Voilà. Là, t'es garanti. Voilà, là, t'es verni. Là, ça voilà. Donne. C'est très bien. Ça me. C'est, ça fait chier. On remarque derrière. Benzaï depuis tout à l'heure. Si tu dézooms, Benzaï. Pardon, Fanta, derrière, tu remarques que le volcan est en éruption. C'est beau. Ah oui, tu vois, il y a un jour-nuit, c'est ça aussi. Il y a un petit décor aussi, c'est sympa. C'est à moi donc. Alors, comment je vais pouvoir me venger de vous, bande de fumiers un peu? Hein, bande de fumistes? Comment je vais pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Ah, c'est le super mortier, ça. C'est dégueulasse, tout vert, quoi. Dire un cornichon, quoi. Ça, tu as payé. Ok, comment je le vise, celui-là? Ça va être un peu complexe, mais c'est parti. Super mortier! Ou quoique. Peut-être un peu près, bah oui. Hein. Ça pue un peu la. Voilà. Super mortier, un peu plus haut. Non. Un peu plus bas. Oh. Encore. Non, ah, il vise pas très bien le Lennon, mais c'était bien joué quand même. Ah, c'est bien joué. Hein. C'était tenté. Hein. C'est pas mal, hein. Ha, ça fait mal, hein. C'est violent. Un fort en moi. Eh oh. Et bon voilà, le mortier vous ne maîtrisez rien, vous maîtrisez juste l'angle et ça tire et c'est au pif. Hein, donc, là c'est le moment de montrer le zapper. Voilà. Hop, wow. Et tu peux t'en servir plusieurs fois à la suite, hein, il faut le savoir. Ouais, tout à fait, je vais essayer de pas viser. Oh merde. Voilà. Ah le con. Ah, c'est trop fort. Par contre, Benzaï qui domine totalement le jeu. Ouais. Mais alors, vraiment, c'est juste parce que vous êtes entretués entre vous, mais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Toujours pas de super arme. Avec toutes nos maigres forces restantes, tous sur Benzaï, parce qu'on est à peu près à force égale en fait. Oui. Il est de quelle couleur Benzaï? Vert. Vert. De toute façon, ah, oui, vert. Les seuls groupes qui sont blonds. Allez, saute. Trop tête de merde, quoi. Oh là 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 là. On dirait une grosse merde rose, quoi. Allez, fais un petit effort quand même. Voilà, nickel. Alors, comment, dans quelle souffrance horrible tu vas mourir? Alors, parce que tu remarques, il y a une petite bite devant toi. Hein. Oui, j'ai vu. Frappe aquatique, non. Ah, je vais essayer de placer ça. Qu'est-ce que tu vas placer? Ouh, la grenade à fragmentation, très dangereuse. Ah, je vais mettre 5 secondes de compte à rebours. Voilà, un tout petit peu, hein. Pas beau, pas beaucoup. Voilà, c'est bon, casse-sauce. Saute, gros lard si tu tiens à ta vie. Tiens! Il s'en prend un mot de paix. Oh, tu m'as même il pas survit, tué. C'est pas possible. Tu peux en me venger sur Fanta, quoi. Mais bon. De toute façon, t'as tellement de verre. Ouais, il est mort tout seul, l'autre. Ouais, il s'est noyé. Ah il oui, s'est d'accord. Noyé, les gens. C'était triste, mais ça arrive, hein. C'est la vie. C'est la vie. Je repense à ce pauvre Magno. Qui ne peut pas respirer, quoi, dans le fond. Alors. Vous, mes petits chéris, vous me saoulez. Alors, sélection du verre, ok, non, mais je m'en fous. Oh merde, ah putain, non, j'ai pas de bison quoi, ça aurait pu être marrant. Malheureusement, ouais, c'est dans un tour les bisons. Eh bien, ce sera le mouton. Le mouton, bah écoute.
Ah non, c'est que ce sera dans un tour. Il est où normalement? Il s'éloigne un peu quand même. Ah, le coussin péteur, bien joué. Oh, bien placé. Ouh! Mais franchement, mais vomissez-vous dessus quoi. La cruauté. Devenez malade. La foudre, j'ai jamais essayé. C'est à moi. Alors, à moi. Voyons voir qu'est-ce qui se passe bien là dans ce monde. Épargne Magnus, c'est tout en frigo. Non, c'est le premier à faire virer là. Surtout que c'est son prochain qui joue normalement. Donc, je rappelle, un Magnus, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une private joke avec Sébastien du grenier. Comme quoi, en fait, on déconne sur l'existence d'un crossover Magnum Carlos. Oh mon dieu! Et finalement, en fait, on est vraiment tombé sur un cosplayer de Magnum qui était un peu gros, et du coup, en fait, on s'en arrive avec Seb. Et du coup, on a pris des photos avec Magnus et tout, et il a sa page Facebook maintenant de Magnus. Et je pense qu'un jour, et même Seb en fait me disait, c'est dommage que Fred ait maigri, parce que sinon j'aurais adoré faire un sketch Magnus, où genre en fait moitié Carlos, moitié Magnum, c'est Magnus. Alors là, Benzaï, tu remarques que je t'ai calé en face de ton Hulk Hogan, une tourelle. Et pareil, attention pour le gars en jaune, pareil Fanta, attention, hein, parce qu'il faut savoir que à la seconde où la tourelle va détecter un mouvement devant ou derrière elle, c'est-à-dire c'est 180 degrés, hein, c'est 360, hein, ça, c'est dis-moi qu'il y a une ligne de mire, c'est elle vous non a une... Wouah, ce nuage de la malchance. Là, je voulais essayer la foudre et j'ai raté, ok. Quand ça va être à lui de jouer, je vais tellement te faire payer ça quoi. Mais attends, je t'ai raté, c'est par sympathie. Attends, il va vérifier si ta femme elle est bien seule, parce que à mon avis t'as une chance de. Elle est à côté de moi. Ah, bonjour Pauline, le mal. Tu sais comment pour utiliser ma frappe bovine? Je sais pas, aucune idée. Je t'inviterai à l'utiliser parce que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. C'est une nouvelle arme, donc montre du spectacle. On va tenter. Bah je crois que je me balance dessus là. Je me suis balancé dessus, je crois. Hein. Ah non, c'est moi qui bondard. Oh mon dieu, c'est quoi? Oh, oh, l'avion passe, il faut tapoter A pour larguer les bombes. On largue les bombes quand on veut. Vas-y, quand tu largues pas mal. Les bovins. Les bovins. D'accord, c'était une... Ok. Oh là là, par contre, l'alpha man de droite là, il va tellement se gaver sur les barres de vie musclore là. Il va tellement c'était se lequel celui-là, les bœufs La frappe bovine, tout en bas. Tout en bas, le quatrième. Ah oh, putain, il est gros, alpha man. Bah, j'ai pas ça moi. Arrête de manger des cupcakes le soir. Oh là là, pas... bah, oui. C'est un peu le berche, mais... C'est ça, on a pensé exactement la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux utiliser ta corde ninja sur la glotte? Ah purée, je les avais pas vus, ils étaient sous mes yeux. J'ai pas le super mouton, par contre. Mais du coup, moi, je vais utiliser moi-même la frappe bobine. Eh ben vas-y. Tu peux choisir l'angle de l'arrivée de l'avion avec Y. S'il vient de gauche ou droite. Ah oui, d'accord, ok. Bon, moi, c'est... Désolé, Hyrule. Non, mon petit personnage, oh non. Ah merde, oh, c'est pas ça. Oh. Ah, je suis mort. Mais c'est violent. Moins 60, il ne reste plus qu'un personnage. Ah, moi, il faut savoir que le ninja en haut, il est mort, parce qu'il a pas assez de points de vie pour survivre un prochain tour. Oh mon dieu. C'est mon tour. Le tour de la dernière chance. Ouais, c'est ça, c'est la dernière chance là par contre. Parce que, il est très très doué à la corde. Hein. Il va essayer de balancer une grenade sur la femelle. Oh, c'est l'entraînement bondage, Fanta, c'est l'entraînement bondage. J'espère que tu vas te foirer. Non, 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 vas-y, un Shoryuken. Ah, bien. Zapper qui me soigne. Le zapper qui me soigne. Ça joue tactique, là. Allez, t'as 22 secondes, il faut aller le pousser. Non, fail. Oh putain. Va le pousser, va le pousser, va le pousser. La tactique d'un homme. Allez, un Shoryuken. 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 Oui, bravo Bob. J'ai passé. Bien joué. Bravo.
Bravo, bravo. Là, c'était une belle action. Merci, merci. J'ai eu de la chance, hein, j'avoue. Oh non, c'est 10 kills. Attends, la mine dans la flotte à droite, tu remarques qu'elle s'est pas activée. Elle a commandé... elle a fait un pchit, elle a prouté, quoi. Alors là, par contre, ouais, là, il y a un Alpha Man qui meurt, là. Là, je suis désolé, mais t'as tellement de points de vie à droite, la Fanta. C'est 100 points de vie. 50 par caisse. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Fanta for the win. Là, par contre, je sais pas comment tu le gères. Un coup de lance-roquette, hein. Non, moi, j'irais le bison. Là, tu bisonnes. Bisonne. Ah oui, allez. Ce qui est bien, c'est que le bison peut bien backfirer et le foutre dans la merde aussi. C'est pour ça, ça me fait marrer. Moi, je le lance, mais il m'écoute après, tu sais. Ah. Bon, bah écoute. Et voilà. Voilà l'équilibrage comme je l'aime. Ah, mais non, mais putain, le prochain que ça va être Magnus ou je sais pas quoi. Ok. Ah, c'est à moi, mon dernier VR. Le survivant. T'approches pas trop de lui, je sais pas ce qu'il peut te faire. Le jackpack aquatique c'est activé si jamais. Oh oui, alors là le super mouton. Ça. Est-ce une vache? Est-ce une brebis? Non, c'est super mouton. Ah, il va où super mouton? Non, non, qu'est-ce que je... Oh mon dieu. Super mouton, c'est incontrôlable. J'arrive pas, il est ivre mon super mouton. J'arrive pas à le contrôler, putain. Le super mouton qui a brouté les OGM, quoi. Non. Oh yes. Putain, mais je suis juste allé à droite pendant une seconde. Eh bah t'avais rien en fait pour passer, t'avais fallait que je téléporte. Putain. C'était ton destin. Là par contre je vais me faire plaisir parce que je vais prendre le fusil à pompe. Vous allez voir. Tu vas faire tomber Hulk. Ouais. Vous allez me défoncer. Vous m'avez juste. Déloger lui avec un bip bip. Merci la tourelle parce qu'il a détecté un mouvement et enfin. Non, t'aurais pu lui remettre un autre coup et il aurait refait bip bip. Non, je pense pas, non, ça va être... Non, mais achève Fanta, voilà. Voilà. Ah, purée, il est bon. Ah, ça, c'est fait, là. Et tu vois, là, par contre, elle a débordé la tourelle, elle marche plus avant ce tour. Là, ça y est, elle marche, là, à nouveau. C'est bien foutu. Par contre, le moindre mouvement, Benzaï, quand ce sera ton tour, si tu appuies sur gauche, droite, si tu fais l'esquisse du moindre mouvement... Et c'est moi je te mets une tourelle en face quoi. Ouais, je crois que si tu lances une tourelle, je sais pas ce qui se passe, mais ça peut être intéressant. Par contre, tu peux utiliser aussi le bouclier après pour te protéger. T'empêche bouclier pas magique. De bouger. Mais oui. Ou alors utilise une frappe aérienne, mais bref, il faut absolument. Y'a plus le téléporteur ? Non. D'accord. Si, y'en a un. Y'en a un à droite de la corde ninja, tout en haut à droite. T'en as un. Oui, Benzaï, c'est aussi une solution. Okay. Par contre, ça te fait passer ton tour, c'est le seul défaut. Oui, ouais, c'est une bonne idée. À l'ancienne. Putain, mais j'aurais dû téléporter Magnus depuis le début, quoi. Putain, je suis vraiment con. Le Fanta for the win qui... Ouais, il me reste un verre. Est-ce qu'il y a des trousses de soins quelque part? C'était pas une mauvaise idée, ça, de se téléporter sur une trousse de soins? Et non, sens où tu pourrais aller... Bon, je suis désolé, c'est une stratégie, je suis obligé d'exprimer. Tu pourrais aller sur Fanta et utiliser un égaliseur. Oh! Ouh, oui! Jetpack! Ou peut-être le jetpack aquatique ou quelque chose quoi. Oh! Au jetpack ça se fait. Pour le jetpack aquatique, tu peux faire un tour vers le Ninja Lennon aussi. Il faut que tu te mines quand t'es gros, il faut vraiment que tu fasses une route, mais. Ah oui, non, j'ai. Ouh, exemplaire! Exemplaire! Il est où l'égalisateur? Hein l'égaliseur, c'est l'égaliseur, c'est sur la colonne de droite. Tout en bas à droite. À droite du casque bizarre et à gauche de la pizza. C'est le niveleur. Ah, le niveleur. Ah, le niveleur. Au-dessus du gant de boxe. Voilà. Et là, je touche. Voilà, c'est ça. Ça prend les ennemis de l'adversaire et ça te les donne et ça vous égalise en fait. Ça fait la moyenne. Et donc là, tu dois être trop fatasse. Et ben. Par contre, ce que j'ai fait, ça sert à rien parce que là, je suis au bord du vide. Ouais, avec 145 de vie quand même. Ouais, t'es à 145 de vie et surtout t'es pas si loin du t'es pas. Je suis passé premier. C'est ta bête face. Bouge. Si tu bouges, tu es mort. Donc téléporteur ou quelque chose, mais t'as pas intérêt à faire le moindre mouvement de sourcil. Si je vois un poil pubien. Mais normalement, il y a moyen de se retourner quand même. Non, même pas. Par contre, si tu le lances, il va changer de sens le mouton. Si, regarde, j'ai pu me retourner. T'as eu de la veine. C'est tout ce que t'as eu. Ah, il s'est pas visé. Oh putain. Mais tu vas où? C'est pas moi qui vise! Qu'est-ce qu'il vise? Il vole! L'amour! Non! Ouf! Super mouton!
très bien joué. Merde, attends, j'aurais ouais, voulu faire tomber le fantôme. Ouais, mais il est il gros. Il est vilain, il est vilain. T'as vu comment il est rancunier? Oh. Ah, je se saut un peu. Ah bah. C'était mon action épique. Alors. La fantassassin. Alors. Je ne suis pas un expert, mais. Je tiens à dire que la Sainte Grenade, la Banane Grenade et l'Armageddon ont été activés. C'est quoi la Sainte Grenade, ouais. L'Armageddon, c'est fat. Hein. Moi, j'annonce, si vous arrivez pas à me tuer, je la balance. Je suis un fou. Va falloir bien viser la fin. Ah ouais, je sais pas ce que tu vises. Oh merde! Oh. Oh. Il y a eu un lâcher de vache dans l'océan. Alors là, allez, on va essayer de se la vengeance. On va essayer de se la jouer. Pas trop mauvais. Oh putain, il se la donne. 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 Non. Ah yes. Dommage. Erreur confirmée. Ah allez, vas-y Benzaï. Attention hein. Tu peux utiliser une téléportation par contre, tout en haut à droite. C'est l'espèce de bouton rouge à droite ouais. De la... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu dis que ça, ça fait quoi déjà Armageddon? Armageddon, ça envoie des météorites partout au pif et ça touche indiscriminément au pif. À mon avis, je meurs, hein, là c'est sûr. Oh, c'est... Oh c'est bien joué, là oh c'est bien joué, putain. Oh meurs, putain. À mon avis, il est mort, hein. T'as très très bien joué. Ouais. Et en plus, tu t'es débarrassé de... Oh, il survit. J'ai survécu. C'est pas normal. Ouais, j'ai survécu. C'est pas normal. C'est pas normal. J'espère que tu vas faire comme Magnos, bouger d'un pixel et tomber dans l'eau. Tu as tellement payé pour tout ça. Tu as tellement payé pour ta vie, pour cet affront. Jackpack aquatique. Tiens. On n'arrivera pas à me foutre dans l'eau. Ah, il tient bien, il tient bien. Je suis scotché au mur, mec. Voilà. Je te douche dans cette flotte. Hein. Un peu sale, d'ailleurs. Je te douche dans cette flotte et maintenant je suis en train de réfléchir à une strat. Une vraie stratégie qui pourrait sauver la situation. Je me concentre sur la vengeance, mais ça sert à rien. Pas là où je suis. On va voir ça, on va voir ça, mon salaud. Allez, 10 secondes, Bob. Oui, bravo! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette arme? Ah bah voilà, Fanta assassin. Ok, allez, vas-y, Fanta, for the win. Déjà, éloigne-toi de ce bord, mais. Prise de risque. Oh, il l'a fait! Fanta. C'est génial. Honnêtement, le jackpack aquatique, c'est la meilleure idée du monde. Ok. Alors, ça, c'est fait. Non. Non. Le piège à compte, tu sais, tout le monde est là. Là par contre, Ben, je sais que c'est de la vengeance ou tout ce que tu veux ou quoi que ce soit, mais là, le baril explosif... Ah là, y'a... Ah, c'est l'arroseur arrosé, tu vas t'exploser toi-même. Oh, c'est vrai. Ah, il peut pas sortir. Il peut pas sortir. Il est trop gros. Je peux prendre un petit shoryuken dans son pif, là, pour qu'il parte vers l'avant. Allez, vas-y, ouvre la bouche. Là, moi, je dis banane. Oh, il est gentil, Ru. Oh, cette strat d'un homme. Cette stratégie. Je me cache, hein. Je vais essayer de survivre. Attends, par rapport à l'Armageddon, t'as raison de te cacher. Ouais. Et par rapport à ce que je suis juste à côté de toi. Alors, Lennon. Essaye de faire ça dans le hashtag, s'il te plaît. Je vais pas t'influencer, Benzaï, mais je crois que t'as une grenade sainte. Hein. Ah ouais. Elle est garantie.
Ouais, non, mais il y a mieux, la grenade sainte, tu nous tues tous les deux en haut avec ça. Garde, prends-lui un truc de merde, là. Il mérite pas. Alors moi, je vais me cacher là, parce que c'est quand même bien. Ah, pépère. Oui. Je t'envoie la grand-mère. Mais putain, merde, mais qu'est-ce que c'est Ah, barre-toi. Oh, le bol. Oui. Non, l'eau qui coule, qui pousse. Putain, mais en fait, c'est qu'il y a pas moyen de déclencher la grand-mère avant. Non, elle tu pète quand elle veut. Ah putain, c'est de la merde. Elle pète quand elle veut, la grand-mère, c'est pour ça que c'est considéré comme une arme spéciale de merde, en fait. C'est mon tour. Ah, c'est putain, mon tour. J'ai paniqué, j'ai sauté vers l'avant, quoi. C'est mon tour. C'est mon tour. Je peux pas dire, mais tu peux, avec une grenade simple, les niquer tous les deux. Non. Ah oui. Je te jure sur l'honneur que j'ai fait un double saut. Le fail. Oh, le fail. Je voulais faire un saut vertical pour avancer. Bon bah, quelqu'un peut armageddonner à ma place, s'il vous plaît. Attends. Après cette bouche planquée. Évincé de la victoire. Sorry, là, je me suis... Tout ça, un magnifique suicide. Un petit armageddon, ça pourrait être cool, une armageddon. Fantastique. Est-ce que tu veux bien faire honneur? Honneur à mon nom, honneur à ma mort. Ah non, pas de sainte grenade là. Oh, l'homme. C'est moche. On se tue tous les deux, quoi. À mon avis, il aura plus mal que moi. Il est mort. Ah ouais, je sais pas combien j'ai perdu de points de vie là, mais ça m'a fait mal, hein. Qui est mort? Personne. Ouah. Est-ce que quelqu'un aura les couilles de lancer un armageddon? Ah ouais, allez, soyons fous. Lançons un armageddon. Qui est fou? Fanta, prends bien une vue de caméra. Ouais. Vous êtes prêts à serrer les fesses, c'est parti. Allez, comme les dinosaures, les vrais. Oh. Là, c'est le fion. Ouais, c'est... Ouais. Oh, ça y est. Purée. Oh là là, tout sur sa gueule. Oh oui. Oh merde, putain. Oh ah, non, je crois que je suis... Oh non. Oh. Non. Pourquoi Benza il est épargné? S'arrête pas! Oui! Putain, j'ai rien. Ah, Benzaï enfoiré. C'est n'importe quoi. Celui qui va gagner. Là, c'est le duel. Là, c'est le duel. Benzaï versus Fanta, chers amis. Allez-y, les enfants. Oh non! Fais attention à tes mouvements. T'es sérieusement pas mort, quoi? Je vais t'humilier, mec. Je vais t'humilier à coup de... Jackpack, ouais. Oh oui! Oh oui! Il est bloqué. Tiens, accroche-toi, fantassassin. Accroche-toi. Accroche-toi de toutes tes forces. Non, oui. Envoie de l'eau. Vas-y, tombe. Ah, t'as eu de la chance, enfoiré. Tu peux t'en servir. Ah non, t'en as pas assez, ouais, tant pis. Oh la sainte. Non. Du destin. La banane. Oui. Oui. Ah, tu vas mourir, hein. Allez, Fanta, attention, c'est challenge. Fanta, tu n'as le droit de le tuer qu'avec la méga classe. Si tu fais un ship shop ou un espèce de dragon pour le foutre à la flotte, je te déshérite. Je ferme la chaîne et je rends l'argent. Je rends l'argent aux abonnés. Oh mon Dieu. Je le dis. Me fais une action épique, s'il te plaît. Ta maison, Fanta, pense-y. Je sais pas, un tir de mortier, un lance-missile, un super mouton. Fais quelque chose. Un truc risqué, quoi. Non. Oui. Oui. Non. Ah, je suis pas mort. Il est vivant, il est ressuscité. Oh mon Dieu. Comment ça se fait que t'as pris de dégâts? J'en sais rien. Et en plus, je peux même utiliser des trucs. Alors attends. Allez, on l'a réussi cette ce lâcher de vache. Allez, ta pote. Oui, non. Ouh, les vaches. Oh, ça fait mal. Et ça termine. Oh yes, c'est un égalisation. Ouais. C'est une égalité. Je dis oui. Autant le lâche vache, j'étais sceptique sur l'épicness de la chose, autant le fait que ça t'achève aussi, je dis oui, Fanta. Bon. Je dis félicitations. Bon ben voilà, match nul.
C'est ça, entre les blonds, les alpha men, les gens du futur, les gens tribaux et les nazis, ça ne passe pas malheureusement, on ne saura jamais qui regarde, a vaincu. Regarde, il y a marqué Bob Lennon en dernier quand même, hein, parce que Hyrule a une étoile de bronze. Tout à fait, Hyrule a une étoile de bronze et quand même Benzaï et Fantasio arrivent. Premier victorieux, applaudissements en tout cas, bravo. Ouais, bravo. Et merci à Benzaï de nous avoir accompagnés. Vous pouvez retrouver sur Benzaï TV l'excellent Art Corner et puis tout le reste, bien sûr. Benzaï Live et Hyrule Live avec Hyrule, un 3. TV. Attends, Hyrule TV. Ah, Hyrule TV, là, ouais. Et pardon, c'est. Voilà. Ça, en même temps, on a tous les mêmes noms, ça va rien dire au bout d'un moment. Du coup, Hyrule TV avec un 3 à la place du E, vous pouvez regarder ses chaînes et ses émissions absolument formidables. Et bien écoutez, c'était Worms. Baltagrons. Exactement, Worms Battlegrounds. Sur le coup, j'ai failli dire Worms Revolution, mais c'était un lapsus de ma part. Worms Battlegrounds sur Xbox One, hein, vous pouvez l'avoir, hein, il est disponible, il est là, hein, disponible depuis le 30 mai 2014, c'est aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui. Il est disponible à 40€ sur le Xbox Store. Vous pouvez personnaliser vos Worms en Asie, ça fait toujours plaisir avec le système de clan. Enfin bref, on se retrouve pour la prochaine, sans aucune forme de pitié, sur un autre jeu Worms ou sur ici, j'en sais rien, selon ce que la personne qu'on aura invité aura dans sa bibliothèque de jeux. Voilà, sans pitié. Eh bien, écoute, je vous fais de gros bisous à tous. Merci, Benzaï. Merci, Hyrule. Voilà. il faut dire au revoir dans ce cas-là. Il faut dire au revoir. Merci, au revoir, mec. Et au revoir. Prochaine. Merci encore. Salut, merci. Ta maman t'a pas appris. Ça respecte pas sans qu'il forme de pitié. En tout cas, gros bisous à tous. Je sais, ça va gueuler dans les commentaires. On s'en fout. C'est pour le fun, c'est l'amusement. Bisous à tous et à la prochaine sur Fantabob Games. Allez, pourquoi ça va gueuler? J'en sais rien. Ouais. Parce que j'ai pas arrêté de conseiller les gens comment jouer. Mais non. T'inquiète, t'as joué comme un as. T'es un champion. Non, mais on aurait dû utiliser le mouton là. On a mal visé, on est mauvais, on a fait ça à la piste. Bref, voilà. C'était tout génial. Ça change absolument rien. Allez, sous.